الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages d'une Sourate. Aujourd'hui, والحمد لله, nous sommes en compagnie de Sourate Al-Falaq. Sourate Al-Falaq, qui est l'avant-dernière sourate du Coran, et qui arrive donc juste après Sourate Al-Ikhlas. Et comme je l'avais dit dans la vidéo introductrice des 10 dernières sourates, eh bien, les deux dernières sourates du Coran viennent complémenter Sourate Al-Ikhlas, qui est la foi pure en Allah subhanahu wa ta'ala, en nous permettant de nous protéger des attaques venant de l'extérieur et des attaques venant de l'intérieur qui peuvent endommager notre foi. Alors dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala commence en disant « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » dit, déclare ouvertement « أَعُوذُ ». Alors souvent on traduit par « je cherche protection » ou « chercher refuge auprès de Dieu ». Mais en vérité, il y a une légère subtilité entre « أَعُوذُ » et « أَسْتَعِيذُ ». « وَاسْتَعِيذُ بِاللَّهِ » ça veut dire « demande protection »,« cherche protection » ou « refuge auprès de Dieu ». Mais « أَعُوذُ », si vous enlevez le « ist », eh bien, il n'y a plus la notion de demande, c'est vraiment « je me réfugie »,« je me protège » auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette sourate commence en nous mettant chacun d'entre nous dans un état où en vérité, c'est comme si on était déjà attaqué, qu'on avait conscience du fait que notre foi, notre vie pouvait subir un certain nombre d'attaques, de mal, et qu'on se réfugie tout de suite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » Que veut dire « falaq » ? Alors, « falaq » est une chose qui est en vérité cachée, puis va éclore. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala parle de « falaq » lorsqu'il parle d'agriculture, par exemple dans le Coran. Il dit « فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى » Donc, il parle d'une graine, il parle d'un noyau, et il dit « فَالِقُ » Donc, ça veut dire que cette graine, eh bien, il y a quelque chose à l'intérieur, elle est cachée, et puis un moment, ça va éclore. Il va en sortir quelque chose. Il dit aussi « فَالِقُ الْإِصْبَاحِ » en parlant du jour qui est caché, recouvert par la nuit, et qui à un moment va éclore également. Donc si on devait traduire, je dirais « dis, je me réfugie auprès du Seigneur de toute chose qui éclot. » Et je vais garder la traduction comme ça pour le moment, et à la fin de la vidéo, Inch'Allah, je reviendrai sur « Al-Falaq », pourquoi ce mot en particulier est choisi par Dieu, et quel miracle, subhanallah, il y a dans le choix de ce mot lorsqu'on comprend eh bien, le reste de la sourate. Avant de passer au deuxième verset, un petit commentaire sur Qul. Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, je vous disais, ici s'exprime d'une manière où il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc à tous les croyants après lui de dire qu'il se réfugie, qu'il cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se protège. Mais Allah aurait pu ne pas utiliser le mot Qul. Et lorsqu'il utilise le mot Qul, il y a là-dedans eh bien, deux sagesses, deux méditations importantes. La première, c'est que c'est éducatif. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous apprendre à protéger notre foi. Ça veut dire que lorsque le croyant lit le Qur'an et qu'il voit « qul », il doit se dire « ça c'est une leçon, un enseignement qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam » et que le prophète a transmis pour qu'il puisse être donné à tous les croyants. Donc Allah est en train de m'éduquer, de m'apprendre quelque chose, alors je me dois de me concentrer et comme lorsqu'on vous donne une leçon, eh bien d'appliquer la leçon. Donc lorsque Allah nous demande de nous protéger, de nous réfugier auprès de lui, eh bien il faut que le croyant se mette dans cet état-là où je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième méditation autour du mot Qul est que Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de déclarer ça de manière ouverte. Et il y a là une notion importante, c'est la notion d'humilité. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit « qul »,
Il veut qu'on mette de côté notre arrogance, qu'il mette de côté notre orgueil, qu'on mette de côté notre pouvoir. Le fait de croire qu'on est capable de nous sortir nous-mêmes des problèmes et de s'en remettre à soi et non pas à quelqu'un d'extérieur. Et vous avez trois types de personnes. Vous avez des gens qui vont vous dire, bah moi j'ai pas besoin de protection. Moi je me protège tout seul. Moi je m'auto-suffis. Moi je suis capable de me défendre contre toute agression. Et donc je ne dirai pas a'oudhu bi-rabbil falaq ou autre chose. Je ne demande pas protection. Et donc ça c'est effectivement une arrogance que Allah subhanahu wa ta'ala vient combattre avec cette sourate. Le deuxième type, c'est celui qui sait qu'il est dans le besoin, mais qui ne veut pas le dire ouvertement pour pas que ça sache, pour pas sembler être faible. Et parfois, je sais que je suis dans une situation où je suis faible, où j'ai besoin d'aide, mais lorsque je vais demander de l'aide, je vais le demander secrètement. Je vais demander de l'aide à une personne ou à quelqu'un, mais de manière secrète, je n'ai pas envie de m'afficher comme étant dans le besoin, comme étant faible, ayant besoin d'aide ou de protection. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala combat aussi ce niveau de maladie dans le cœur, parce que celui qui ne veut pas dire ouvertement qu'il est faible, eh bien Allah lui dit, tu vas déclarer haut et fort que tu es faible devant Dieu, que tu as besoin de la protection de Dieu, que tu ne te suffis pas à toi-même, que tu es dans le besoin. Et donc là, il y a effectivement une leçon d'humilité. Allah veut que l'être humain se rende compte de sa faiblesse, qu'il se rende compte du fait que sans Dieu, il n'est rien, que sans la protection de Dieu, il ne peut même pas espérer vivre une seconde de plus avec toutes les choses qui peuvent lui arriver. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses expériences et de ce mal qu'il peut y avoir extérieur qui a pu affecter la personne, affecter sa foi ou affecter tout de même sa vie. Et Allah nous explique que sans lui, on ne peut rien y faire. Donc, la deuxième personne qui veut dire qu'elle est dans le besoin mais pas le déclarer haut et fort, Allah lui dit, quand il s'agit de Dieu, eh bien, déclare ta faiblesse. Déclare que tu es tout petit. Sois humble et sois devant Dieu en humilité. Pour dire effectivement, Ya Rabbi, j'ai besoin de toi. Ya Rabbi, sans toi, je ne peux rien faire. Et donc la troisième catégorie, ce sont les gens qui vont mettre en œuvre, eh bien, ce comportement-là, qui vont prendre conscience du fait que nous ne sommes rien sans Dieu, que sans la protection de Dieu, eh bien, on ne pourrait même pas vivre, subhanallah, qu'on ne pourrait même pas respirer, qu'on ne pourrait même pas faire un pas en avant, et qui cherchent refuge, qui se réfugient auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui savent que le mal environnant peut être présent et qu'il peut nous arriver quelque chose à n'importe quel moment et que j'ai besoin de la protection de Dieu. Alors régulièrement, je demande à Dieu de me protéger. Régulièrement, je suis dans le refuge de Dieu, dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, rien que dans le qul, eh bien, il y a toutes ces sagesses-là. Donc, comme je vous disais, on va sauter bi rabbil falaq et on va y revenir tout à la fin pour voir comment est-ce que cette expression est miraculeuse et comment est-ce qu'elle résume et qu'elle nous donne le meilleur des noms et la meilleure des utilisations que Dieu aurait pu utiliser pour cette sourate. Min sharri ma khalaq. Donc Allah commence, donc là on va avoir quatre versets qui nous parlent de quatre mots qui peuvent nous atteindre, quatre choses qui peuvent nous atteindre et qui viennent de l'extérieur. La première est Min sharri ma khalaq. Donc je demande à Allah, je me réfugie auprès de Dieu de tout mal qui pourrait venir de ce qu'il a créé. Ce que Dieu a créé. Et là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver, encore une fois, d'un mal, d'une chose que Dieu a créée? Et les savants nous expliquent qu'en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul être parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la création de Dieu, effectivement, elle a été créée pour le service de l'homme, elle a été créée pour le bien de l'homme, mais elle est imparfaite. Chaque chose a des qualités, elle peut avoir 99% des qualités et 1% de défauts. L'être humain lui-même n'est pas parfait, a des qualités et il a des défauts. Si on prend un exemple, on pourrait dire le soleil par exemple. Le soleil a été créé pour le bien de l'humanité. Le soleil, on ne pourrait pas vivre sans le soleil. On ne pourrait pas vivre sans l'eau. On ne pourrait pas vivre sans le vent. On ne pourrait pas vivre sans tous ces bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala a créés et qu'il a mis au service de l'être humain. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas une partie de mal dans le soleil? Que le soleil ne peut pas être mauvais envers les êtres humains, ne serait-ce que d'une partie infime? Bien évidemment que oui. Et au jour d'aujourd'hui, on sait bien évidemment que les rayons du soleil, les ultraviolets par exemple, peuvent être néfastes pour l'être humain. On sait que dans l'eau,
Lorsque vous buvez l'eau, si elle n'est pas potable, eh bien, il peut y avoir des maladies qui sont engendrées. Lorsque vous allez dans la mer, eh bien évidemment, on peut pêcher, on peut se balader, il y a énormément de bienfaits qu'il y a dans la mer. Mais vous pouvez aussi tomber dans une tempête, vous pouvez tomber dans un orage, et vous pouvez vous perdre. Et vous pouvez mourir même dans la mer, subhanallah. Donc, chaque chose que Dieu a créée contient énormément de bienfaits, puisqu'elles ont été créées pour le bien de l'être humain, mais elles contiennent une part de choses qui peuvent être néfastes pour l'être humain. Et je précise, et on verra ensuite Al-Falaq, le nom Al-Falaq et le lien avec ça, ce sont des choses dont nous n'avons pas forcément conscience. Ce qui est important dans cette sourate, c'est que Dieu va nous citer quatre causes que nous ne maîtrisons pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, des gens pourraient dire, bah, moi, je n'ai pas besoin de protection, je me protège tout seul. Mais comment est-ce qu'on peut se protéger de choses dont on ignore l'existence? Comment est-ce qu'on peut se protéger de choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle? Et au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun contrôle sur le soleil, on n'a aucun contrôle sur la mer, on n'a aucun contrôle sur le vent, on n'a aucun contrôle sur la météo, etc., etc. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même si elles sont pour votre bien, demandez à Dieu protection contre la petite part de mal qu'il peut y avoir dans ces choses-là. Et ne croyez pas que vous pouvez vous en protéger tout seul. Aujourd'hui, on a des crèmes contre les rayons ultraviolets, on a la météo, etc., etc. Mais il y a 100 ans, il n'y avait pas ça. Il y a 200 ans, il n'y avait pas ça. Et aujourd'hui, on apprend des choses sur le mal qu'il peut y avoir dans ces choses-là. Mais dans 100 ans, on va en apprendre encore plus. Dans 1000 ans, on en saura encore plus. Et on ne sera pas encore au bout de notre connaissance parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance absolue et infinie. Donc il nous dit, dans un premier temps, demandez à Allah protection contre les choses que vous ne contrôlez pas, qui apparemment ont été créées pour votre bien, en apparence 100%, mais 100% ce n'est pas possible. Il peut y avoir 1% de mal, alors quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, demandez à Allah de vous protéger contre ça. Ensuite, il dit, wa min sharri ghasiqin idha waqab. Allah parle ensuite de l'obscurité. Ghasiq, c'est l'obscurité de la nuit. Allah dit dans le Coran, wa aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl. Donc ghasaqi al-layl, c'est l'obscurité de la nuit. Idha waqab. Et waqab signifie s'intensifier. Ça devient profond. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ici que je cherche refuge, je me réfugie auprès de Dieu de tout mal qui pourrait venir d'une chose qu'il a créée, mais également de tout mal qui pourrait venir de l'obscurité lorsque celle-ci s'intensifie. Alors de quoi est-ce que Allah parle ici? Il parle de l'obscurité de la nuit, lorsque celle-ci devient intense, tellement intense qu'on n'est plus capable de voir les choses, qu'on n'est plus capable de discerner les objets, qu'on ne sait plus ce qu'il y a autour de nous. Et subhanallah, dans la plupart des cultures, le mal est toujours associé à l'obscurité. Même dans le Coran, lorsqu'on parle de la foi est la lumière. L'obscurité, c'est l'ignorance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, eh bien, montre qu'il y a un lien entre l'obscurité physique, la nuit, l'absence de lumière, et le réel mal. Pourquoi? Parce que les gens mal intentionnés, quand est-ce qu'ils œuvrent? Très souvent pendant la nuit, très souvent pendant l'obscurité. Ils vont profiter des moments où ils ne sont pas vus pour agir. Et lorsque vous regardez statistiquement, eh bien très souvent les meurtres, les vols, le racket, etc., etc., se produisent quand? Pendant la nuit. Des gens qui vont profiter du fait que vous allez faire des courses ou qu'une voiture passe sur l'autoroute, faire semblant d'avoir un accident ou je ne sais quoi, et vous attaquer au hasard. Aujourd'hui, les Parisiens, par exemple, pourraient ne pas trop comprendre ce verset. Parce que quand on sort après le Maghreb à Paris, eh bien on a l'impression que tout est illuminé. On a l'impression de vivre en sécurité. On a l'impression que rien ne peut nous arriver. Quand vous prenez le métro, même à une heure tardive, on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Et lorsque l'activité cesse, les gens commencent à avoir peur. La nature de l'être humain est qu'il a peur de la nuit, qu'il a peur de l'obscurité et qu'il a peur des choses qu'il ne voit pas. Et lorsque l'activité cesse, que le calme de la nuit s'installe, eh bien même la plupart des gens vont vous dire ne sortez pas après telle heure, ne prends pas le métro tout seul, ne va pas acheter du pain même s'il est minuit, parce qu'on a peur. Les gens ne vont pas laisser leurs enfants sortir à une heure tardive tout seul, parce que dans notre ADN,
Allah nous a mis le fait que nous savons qu'il y a un danger potentiel dans l'obscurité de la nuit, alors nous en avons peur. Et là, je parle des Parisiens. Mais lorsque vous allez à la campagne, il m'est arrivé par exemple d'aller à la campagne et de faire l'erreur de partir tard et d'arriver tard, subhanallah. Et quand vous arrivez tard à la campagne, vous vous rendez compte qu'après le Maghreb, à la campagne, à un moment, l'obscurité s'intensifie petit à petit. Waqab s'intensifie petit à petit et à un moment, peut-être une demi-heure après le Maghreb, vous n'avez plus d'éclairage. Vous ne voyez plus rien. Et là, vous commencez à avoir peur. Et là, vous n'avez pas envie d'aller acheter une baguette, vous n'avez pas envie d'aller faire des courses, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez envie de rien faire parce que vous avez peur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici de ce mal qui peut nous toucher pendant la nuit. Et il nous dit qu'au final, c'est auprès de lui qu'on doit en chercher protection, parce que encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Lorsque vous sortez tard le soir, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Si quelqu'un décide de vous attaquer, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Seul le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui est capable de voir même dans l'obscurité la plus profonde, est capable de vous protéger. Alors cherchez refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce que vous ne voyez pas, de l'obscurité et de ce qui peut vous attaquer pendant l'obscurité, du mal et des personnes malveillantes qui peuvent avoir envie de vous attaquer pendant l'obscurité. L'autre chose que ce verset nous inspire, c'est le fait que très souvent les péchés et les mauvaises actions sont commises aussi pendant la nuit et pendant l'obscurité. Et là, il y a un appel et une leçon aussi pour les musulmans et les musulmanes qui veillent. Et qui veillent pour autre chose que l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que la nuit, dans notre religion, a pour principal objectif le repos et le calme et l'apaisement. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la nuit dans le Coran, وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسَ سُبَاتَ سَكَنَا. Donc il parle à chaque fois d'apaisement, de repos, de réconfort, de recharge. On se recharge pendant la nuit pour pouvoir œuvrer pendant la journée. La nuit n'est pas un moment qui est fait pour faire la fête, pour sortir, pour faire des péchés, pour s'amuser, pour se divertir, etc., etc. Ce n'est pas conçu pour ça. Et on voit que, subhanallah, eh bien, lorsque on veille la nuit pour autre chose que l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on se rapproche petit à petit de l'obscurité dans le sens du mal. Et on voit que ce sont dans les soirées nocturnes qu'il y a de plus de gens ivres, qu'il y a de plus de gens qui se droguent, qu'il y a de plus de péchés, qu'il y a le plus de fornication, qu'il y a le plus d'adultère, qu'il y a le plus de mal dans la société. Ce sont pendant ces moments-là, ces moments nocturnes. Et les croyants qui participent à ça, ou qui restent ne serait-ce qu'à faire des choses ou de divertissement dans la télé, et bien Allah subhanahu wa ta'ala leur conseille de profiter de la nuit, encore une fois, pour se reposer. Et si vous ne voulez pas vous reposer, alors vous pouvez vous lever pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des meilleures choses qu'on peut faire pendant la nuit. Mais sortir, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Ça nous met en contact avec l'obscurité de la nuit, avec des personnes qui peuvent être malveillantes, avec des personnes qui veulent s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec al-shaytan et al-shayatin qui s'activent encore plus pendant la nuit, etc., etc. Donc cherchons refuge et protégeons-nous, incha'Allah, de ça. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Si on devait traduire littéralement, on dirait « Et donc je cherche refuge auprès, ou je me réfugie auprès du Seigneur de tout ce qui est clos, de, du mal, de annafafat, donc celle qui souffle, fi al-uqad, dans les nœuds. » Donc Allah nous parle ici de gens qui soufflent dans les nœuds. Et c'est utilisé au féminin. Les Mufassirin disent que le féminin ici peut avoir trois explications. Ça peut être des femmes qui font ça, ça peut être des groupes. Et donc lorsqu'on utilise le groupe, en arabe, on utilise le féminin pour le groupe. Donc ce sont des personnes, des groupes de personnes, masculin, féminin. Ou ça peut être parce qu'il y a un mot implicite qui est « ad-nufus ». Donc ce sont des personnes mal intentionnées. Et donc on utiliserait aussi le féminin. Donc je ferme la parenthèse pour le féminin. Que veut dire « annafafati fil uqad » ? La quasi-majorité des savants disent que Allah parle ici de personnes qui se donnent à la magie et qui vont du coup essayer de jeter des sorts à des personnes en soufflant sur des nœuds. Donc par exemple,
elles vont prendre, je ne sais pas moi, votre nom, ou un objet, ou un cheveu, ou un morceau de je ne sais quoi, elles vont en faire des noms, elles vont en faire des nœuds dans des cordes, ou dans du tissu, ou je ne sais quoi, et puis elles vont invoquer des forces maléfiques et souffler dessus pour qu'il vous arrive un malheur. Alors, avant d'aller plus loin, du coup, une question très très importante pour la foi du musulman, c'est, mais est-ce que la sorcellerie existe? Est-ce que la magie existe? Et pourquoi est-ce que Allah nous parle de « wa min sharri an-naffathati fil 'uqad » Et donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner quelques éléments de réponse, parce que la question de la magie est une question qui revient malheureusement beaucoup dans notre société d'aujourd'hui, surtout chez les croyants, et qui n'est pas toujours traitée de la meilleure des manières et qui crée beaucoup d'incompréhension dans l'esprit de beaucoup de musulmans. Alors il faut savoir que par honnêteté intellectuelle, ce sujet-là a fait couler énormément d'encre chez les savants. Et l'approche que je vais vous présenter maintenant est celle de Ibn Ashur, rahimahullah, qui fait le tafsir du sihr dans At-Tahrir wa At-Tanwir, donc un grand tafsir qui date du siècle dernier, par un grand savant donc qui est Ibn Ashur. Et pourquoi est-ce que je vous présente son approche? Parce que c'est l'approche qui moi m'apaise le plus, dans le sens où il a une approche coranique. Il a cherché toutes les occurrences de la sorcellerie et de la magie dans le Coran pour essayer de donner une explication coranique de qu'est-ce que c'est que la magie dans le Coran et qu'est-ce que Dieu lui donne comme pouvoir ou pas et quelle compréhension doivent en avoir les croyants. Et donc il dit quatre choses à retenir. La première, c'est quelle est la définition du mot « sihr » et qu'est-ce que ça veut dire dans le Coran et chez les Mécois, les Arabes de l'époque. Et il dit « as-sihr », c'est une chose qui se produit, qui a un impact visible, palpable, mais dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne comprend pas la cause ou l'origine. Donc c'est quelque chose que je vois. Dès que les Arabes voient quelque chose, mais qu'ils ne comprennent pas la cause, l'origine, qu'ils n'arrivent pas à comprendre par leur cerveau comment ça a pu se produire, alors par définition ça s'appelle un sihr. Et d'ailleurs il dit, c'est pour ça que les Arabes, très rapidement au début de la révélation, traitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de magicien et de sorcier. Quand ils parlent du Coran, ils disent que c'est un sihr. In huwa illa sihrun mubin. Donc ils disent que c'est clairement de la magie le Coran. Pourquoi est-ce qu'ils traitent le Coran de magie? Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que des versets comme ça peuvent être révélés. Parce que eux qui sont les maîtres de la poésie ne comprennent pas comment est-ce que quelqu'un peut arriver avec quelque chose qui les dépasse alors que c'est un analphabète, qu'il ne sait pas lire et écrire. Quand ils voient des gens adhérer au message de l'islam de manière massive, ils ne comprennent pas comment est-ce que le prophète peut impacter leur cœur et qu'ils puissent y adhérer. Donc il y a quelque chose de visible, de palpable, mais la raison, la cause, l'origine pour eux est incompréhensible. Alors par définition, le mot en arabe qui s'y applique, c'est le mot « sihr ». Donc ça, c'est ce que signifie le mot « sihr » en arabe. Ensuite, Ibn Ashur, rahimahullah, dit, eh bien, il y a dans le Coran trois grands types de « sihr » ou trois implications, trois actions que peuvent avoir les magiciens et que Dieu décrit dans le Coran d'une manière très explicite qui permet aux croyants de se faire, eh bien, sa propre compréhension de ce que c'est que « sihr » en islam. Il dit la première chose, le premier pouvoir des magiciens entre guillemets, et d'utiliser l'émotion, d'avoir un impact psychologique et émotionnel sur les gens. Et il a comme preuve le verset où Allah dit « وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ » Donc Allah, lorsqu'il parle des sorciers, des magiciens de Pharaon, il dit « وَاسْتَرْهَبُوهُمْ » Ils ont fait peur aux gens. Donc ils ont fait un tour de magie, ils ont utilisé leur technique pour au final faire quoi? Toucher les gens émotionnellement et créer chez eux de la peur, de la panique, et pouvoir ensuite les manipuler psychologiquement et leur faire croire ce qu'ils veulent ou leur faire faire ce qu'ils veulent. Et donc il dit le premier type de sihr, c'est en fait utiliser l'émotion et la psychologie des gens pour les manipuler. Et dans cette catégorie-là, eh bien, il peut mettre par exemple la voyance, les marabouts, les signes astrologiques. Donc, subhanallah, d'ailleurs, on voit que c'est un des maux de notre société aujourd'hui, parce que malgré qu'on est au 21e siècle, combien de gens vont consulter des voyants? Subhanallah. Et donc lui, il dit,
Eh bien, le pouvoir des voyants n'est qu'un pouvoir psychologique, émotionnel. Ce sont des gens qui sont capables de toucher les autres émotionnellement et psychologiquement pour ensuite manipuler, de jouer sur leurs faiblesses. Et subhanallah, on voit encore une fois que statistiquement, les majorités des gens qui vont aller voir des voyants, des marabouts, qui vont croire dans les signes astrologiques, sont des gens qui ont des problèmes. Sont des gens qui sont faibles psychologiquement, émotionnellement. Sont des gens qui vivent certaines épreuves ou certaines difficultés. Et quand ils perdent espoir, eh bien ils s'en remettent à ces gens-là. Et ces gens-là vont profiter de leur faiblesse émotionnelle et psychologique pour les manipuler. C'est ce qu'ils font. Donc ça, c'est le premier type. Deuxième type de magie que nous cite Ibn Ashur, il cite le verset « Innama sana'u kaydu sahirin ». Et là, Allah leur attribue l'action de Kaïd. Et Kaïd, c'est un mot qu'on a vu déjà dans Surat Al-Fil. Al-Kaïd, c'est une stratégie, c'est une réflexion, mais qui est secrète et qui est mal intentionnée. Donc dans le mot Kaïd, il y a le fait que c'est une stratégie, une réflexion, que c'est mal intentionné et que c'est secret. Et dans cette catégorie-là, Ibn Ashur va vous dire, eh bien, il y a d'autres types de magiciens, entre guillemets, qui vont utiliser juste des stratégies de la réflexion, parfois même des objets ou des outils pour arriver à leur fin. Par exemple, quelqu'un qui va vous donner des objets ou prendre des objets pour jeter un sort contre quelqu'un. Quelqu'un qui va vous donner un truc à faire manger à une autre personne pour lui jeter un sort, entre guillemets. Et il dit que ce sont des choses qui sont physiques. En vérité, cette personne-là, elle ne subit pas un sort, elle est juste empoisonnée. Elle a mangé quelque chose, derrière il va y avoir un impact physique sur elle, elle est empoisonnée. Ces gens-là, vous pouvez mettre aussi dans cette catégorie-là les gens qui vont différencier, séparer les hommes et les femmes, comme Allah en parle dans le Coran, « Ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi ». Donc ils peuvent utiliser leur stratégie, leurs paroles, leurs réflexions, les informations qu'ils vont avoir à droite et à gauche, leurs relations, pour faire que des couples se divisent, subhanallah. Et tout ça, c'est une stratégie, une réflexion mal intentionnée. Donc ce n'est plus juste l'émotion, c'est ils vont passer à l'acte d'une manière mal intentionnée et ils vont bien réfléchir. Et subhanallah, en parlant de diviser des couples, j'ai vu un reportage qui m'a bluffé il y a peu de temps où il y avait des agences, on nous dit qu'aujourd'hui, il y a des agences qui existent pour séparer des gens. Vous allez dans une agence et vous dites, eh bien moi, tel couple, je veux qu'ils se séparent parce que après, je veux que tel homme ou telle femme, eh bien, je puisse moi rentrer en relation avec lui, me marier avec lui ou avoir une relation ou un couple, etc., etc. Et il y a des gens qui vont embaucher des détectives privés, des personnes, des espions, des gens mal intentionnés pour aller créer la zizanie dans les couples. Subhanallah. Donc, ce n'est pas de la magie, ce sont des agences de créer de la zizanie dans les couples, mais c'est du maraboutisme du 21e siècle. Subhanallah. Donc ça, c'est le deuxième type, Al-Qaïd, la stratégie, la réflexion et l'action, même avec des objets. Et troisième type de magie que Allah cite et acquiesce dans le Coran, c'est dans le verset « Yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a ». Donc là, encore une fois, lorsque Dieu parle des sorciers de Pharaon, il dit « Yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a ». Donc là, Allah parle d'un troisième type de magie qui est l'illusion. C'est de créer l'illusion. Yukhayyalu ilayhim, ça veut dire ils ont l'impression, ils ont l'illusion grâce au sihr que font les sorciers de Pharaon, les magiciens de Pharaon, que leurs bâtons, que ces serpents sont en train de bouger. Mais Allah ne dit pas qu'ils ont transformé leurs bâtons en serpents, qu'il y a une réalité surnaturel, extraordinaire de magie derrière, il dit c'est juste le pouvoir de l'illusion. Ils sont capables de créer une illusion. Et au jour d'aujourd'hui, subhanallah, eh bien on voit encore une fois que ce type de magie existe même juste dans le divertissement. Vous avez des gens qui vont s'envoler sur scène, qui vont faire apparaître un lapin, qui vont se téléporter, faire disparaître une personne, faire arriver une autre personne, etc. etc. Et ça, aujourd'hui, on appelle ça des illusionnistes. Donc Allah acquiesce qu'il y a ce type de sihr, mais que ce n'est que de l'illusion, que Allah, Ibn Ashur nous dit, c'est l'agilité, c'est la compétence qu'ils ont à créer l'illusion et à faire croire des choses aux gens, alors qu'il n'y a pas de réalité derrière.
La personne ne s'envole pas réellement, ne se téléporte pas réellement, ne fait pas apparaître ou créer des choses réellement, elle ne fait qu'en donner l'illusion. Donc ce sont ces trois types-là que Ibn Ashur cite en parlant de As-Sihr. Dernier point sur As-Sihr, qu'est-ce que dit Ibn Ashur en conclusion? Il dit que bien évidemment ces gens-là en fait ne font que des œuvres humaines, parce que jouer sur les émotions des gens et la manipuler, c'est une compétence humaine. Parce que faire des stratégies, des réflexions pour faire du mal aux gens, leur faire avaler des choses ou essayer de les séparer, ce sont des stratégies humaines. Et créer de l'illusion avec des outils, des mécanismes, de l'agilité, de la compétence, c'est une stratégie humaine. Et il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Et croire que ces gens-là ont un pouvoir surnaturel est en réalité du shirk. Parce que croire qu'ils ont un pouvoir surnaturel, c'est leur donner un pouvoir que Dieu s'est gardé à lui-même. Allah n'a donné aucun pouvoir surnaturel aux êtres humains. Il n'a donné aucun pouvoir surnaturel aux personnes pour qu'ils puissent faire ce que lui, subhanahu wa ta'ala, est capable de faire. Il est le seul à pouvoir le faire. Et croire que des gens sont capables de créer de rien, que des gens sont capables de s'envoler, que des gens sont capables de rentrer dans les cœurs des êtres humains pour les séparer, pour mettre des émotions, que des gens sont capables de vous empêcher de vous marier, que des gens sont capables de stopper votre rizq, que des gens sont capables de vous empêcher d'avoir un travail, c'est croire que ces gens-là sont au niveau de Dieu. Donc Ibn Ashur dit, la première protection contre As-Sihr, c'est votre foi. C'est d'avoir la certitude que ces gens-là n'ont aucune capacité, mis à part des capacités humaines, et que ce sont de la manipulation, et que derrière, votre foi, c'est que seul Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise les cœurs, maîtrise les cerveaux, maîtrise les miracles, maîtrise le destin, maîtrise les cieux et la terre, ces gens-là ne maîtrisent rien du tout. La deuxième chose que Ibn Ashur dit, c'est que pour s'en prémunir, c'est aussi aiguiser notre esprit critique, notre réflexion, notre intelligence, parce que bien évidemment que les gens qui se font avoir par ça, sont très souvent faibles d'esprit ou désespérés et se laissent faire, subhanallah. Quand on parle des illusionnistes, vous mettez un enfant devant un magicien, eh bien il va croire que le magicien est réellement en train de s'envoler. Et si vous mettez un adulte devant ce magicien-là, il va dire « bah non mon enfant, il y a un truc derrière, il y a un outil ». Et il y a des adultes qui vont aussi croire que ces gens-là ont des forces surnaturelles parce qu'il y a certains tours de magie qui sont juste magnifiques. Et Allah le dit en plus, il dit « waja'u bisihrin azim ». Donc il y a des tours qui sont splendides, qui sont impressionnants, au point où même les adultes peuvent se demander si ces gens-là n'ont pas réellement des pouvoirs surnaturels. Mais Allah, quand il dit « innama sana'u kaydu sahirin », il rajoute « wala yuflihu sahiru haythu ata ». Donc il n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas réussir juste avec ce pouvoir-là. Donc je ferme la parenthèse de As-Sihr, parce que c'était quelque chose d'important, et on revient à « wa min sharri nafathati fil 'uqad ». Donc ici, on est en fait dans la deuxième catégorie de sihr que Ibn Ashur cite. Ce sont des gens qui vont utiliser des objets et faire un show pour faire croire qu'ils sont capables d'invoquer des forces obscures et de souffler sur quelque chose et de vous faire du mal. Mais en vérité, ils peuvent mettre votre photo à côté d'un nœud et puis souffler toute la journée sur un nœud. Ils n'ont aucun pouvoir pour vous faire du mal. D'ailleurs, subhanallah, c'est là qu'on voit la beauté et le miracle du Qur'an dans sa linguistique. Allah dit, par exemple, « wa min sharri ghasiqin idha waqab »« min sharri ma khalaq » et il dit « wa min sharri hasidin idha hasad » Lorsqu'il parle des autres mots, il parle du mal qui peut découler d'une personne, du mal qui peut découler d'une création. « Min sharri hasidin idha hasad » quelqu'un de jaloux, d'envieux, si jamais il passe à l'acte lorsque par jalousie. Donc la nuit en elle-même, l'obscurité en elle-même, mais quand elle s'intensifie et que du coup il peut en découler des personnes mal intentionnées pendant la nuit. On a dit du soleil lorsqu'il peut en découler quelque chose. Mais lorsque Allah parle de an-naffathati fil 'uqad, il ne donne pas de conditions, il ne donne pas d'actes qui peut découler ou de mal qui peut découler de leurs actions. Il ne dit pas min sharri an-naffathati fil 'uqad idha nafathat. Ou « idha saharat » du mal de ces personnes qui soufflent dans les nœuds si jamais elles nous font de la magie, si jamais elles nous jettent un sort. Parce que s'ils ne vous jettent pas de sort, à vous, vous n'avez aucun mal. Comme l'envieux, s'il ne vient pas vers vous, vous n'avez aucun mal. Donc Allah dit « min sharri al-naffathati fil 'uqad ». Donc il ne demande pas de nous protéger du mal de leurs actions, parce qu'en fait leurs actions ne donnent aucun mal. Il nous demande de nous protéger des personnes elles-mêmes.
Parce que ce sont des personnes mal intentionnées qui, si elles vous rencontrent, comme les agences là qui veulent diviser des couples, bah, ils sont prêts à tout pour vous faire du mal. Donc ces gens-là, le mal, c'est pas le fait qu'elles soufflent sur un nœud, c'est pas le sort qu'elles vont vous jeter parce que, ou les trucs qu'elles vont invoquer, parce que ça, ça n'a aucun pouvoir. Le mal, c'est elles-mêmes. Ce sont ces personnes-là qui sont mal intentionnées. Et on se demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas mettre des gens comme ça sur nos chemins, de ne pas mettre des gens comme ça dans nos vies. Des gens qui veulent juste nous faire du mal, pour le mal. L'important, ce n'est pas leurs outils, ce sont elles-mêmes. Et d'ailleurs, vous remarquerez que tous les autres mots qui sont cités dans la sourate sont cités de manière indéfinie. « Min sharri ghasiqin idha waqab » Donc c'est une nuit, une obscurité, une création, une personne qui serait envieuse. Mais quand il dit « al-naffathati »,« elle », c'est défini. Donc c'est le mal de ces personnes-là particulièrement. Ces personnes-là particulièrement qui passent leur journée à essayer de procurer du mal aux autres, à de faire des stratégies, des réflexions, utiliser des objets, des outils pour créer le mal chez les gens, Allah protège-nous de ces personnes-là. Protège-nous de ces personnes-là en particulier. Pas de leur pouvoir parce qu'elles n'ont aucun pouvoir, mais protège-nous d'elles. Ne les mets pas sur notre chemin. Wa min sharri hasidin idha hasad. Dernier verset. Allah parle ici des personnes envieuses, des personnes jalouses. Et il nous dit aussi de demander protection, de chercher refuge auprès de Dieu du mal qui pourrait venir d'une personne envieuse quand elle passe à l'action. Idha hasad. Et là, encore une fois, on voit la beauté, la précision et la justesse du Qur'an. Parce qu'une personne qui est de nature jalouse, bah, peut-être qu'elle va se retenir. Peut-être qu'elle ne vous fera pas de mal. Peut-être qu'elle ne va pas essayer de vous prendre quelque chose. Et al-hasad en arabe, c'est quelqu'un qui veut la disparition du bien chez vous. Il a vu que chez vous, il y avait quelque chose, il vous envie pour cette chose-là et il espère qu'elle va disparaître. Alors pour qu'elle disparaisse, eh bien, il va tenter des techniques, vous faire du mal, faire des doigts contre vous, etc., etc. Et donc Allah dit, protège-moi de ces personnes-là lorsqu'elles passent à l'action, lorsqu'elles sont réellement envieuses de moi. Et là, il y a une leçon aussi, subhanallah, pour tous les musulmans, parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, al-hasad fait partie des maladies du cœur que les musulmans vivent, que les musulmans intériorisent. Et c'est une des grosses, grosses maladies du cœur, parce que ça crée énormément de dégâts. Et aujourd'hui, subhanallah, combien de gens souhaitent le mal d'une personne parce que lui, il est marié et que moi, je ne suis pas marié? Combien de croyants souhaitent le mal d'une personne parce que lui, il a du travail, il a de l'argent, il a une voiture et moi, je suis dans la difficulté, alors j'aimerais que ça disparaisse de chez lui? Combien de personnes sont envieuses des postes des autres? Combien de gens dans les associations se battent? Combien de gens sont dans les tribunaux? Parce que lui, il ne m'ont pas nommé président. Je voudrais être président de l'association et pas lui. J'aimerais avoir tel poste, je mérite plus tel poste que lui. Alors il va mettre des bâtons dans les roues de son collègue pour avoir tel poste, subhanallah. Il va passer à l'action où il va faire du mal à la personne pour lui retirer ce bien qui est son poste, qui est un bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Combien de gens aujourd'hui ont al-hasad à l'intérieur de leur cœur? C'est une des grosses maladies du cœur. Et subhanallah, cherchons refuge auprès d'Allah de cette maladie. Parce que Allah est celui qui est capable de guérir nos cœurs de cette maladie qui est al-hasad et de toutes les autres maladies. Je vous disais, on reviendra à la fin sur « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » Et le miracle qu'il y a dans cette sourate, dans ce mot et dans sa construction. Je termine avec deux choses miraculeuses. La première, c'est le fait que Allah a choisi le mot « falaq » et pas un autre mot. Allah aurait pu dire « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْخَلْقِ » « بِرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » Il aurait pu dire « Je me réfugie auprès du Seigneur des cieux et de la terre » puisque tout ce qui est cité là est contenu dans les cieux et de la terre. Ou « Je me réfugie auprès du Seigneur de la création » puisque tout ce qui est là a été créé par Dieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu attirer notre attention sur quelque chose d'important, al-falaq. Et je vous ai dit, falaq, c'est quelque chose qui est dans une graine, qui est dans une enveloppe, qui est cachée et qui à un moment va éclore. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle de quoi? Il a cité des mots qui sont tous cachés. Les mots qui peuvent arriver de la création, nous ne les connaissons pas forcément. Les choses qui peuvent nous arriver pendant la nuit de personnes mal intentionnées, nous ne les connaissons pas forcément.
les gens qui complotent contre nous dans l'obscurité et qui commanditent des gens pour nous faire du mal, nous n'en avons pas connaissance. Et les gens qui sont envieux et qui sont jaloux de nous, cette envie est dans leur cœur, nous n'avons pas connaissance. Donc tout ce mal-là est caché. Il est comme la graine qui se trouve à l'intérieur de son enveloppe. Subhanallah. Et ce mal-là peut sortir, peut éclore à un moment ou pas. Donc Allah, lorsqu'il dit « Rabbul Falaq »« Qul a'ouzu bi Rabbil Falaq » »« Le Seigneur de toutes choses qui peut éclore » eh bien, il est en train de nous dire qu'il est celui qui sait le mal qui est caché dans toute la création et qui est celui qui maîtrise le fait que ce mal puisse éclore ou pas, qu'il puisse sortir ou pas. Il est celui qui fait qu'une plante va grandir ou pas. Il est celui qui fait que le soleil, la nuit, puisse donner ensuite le jour, que le jour puisse éclore ou pas. Il est celui qui connaît l'obscurité des choses, les choses cachées, et qui sait si elles peuvent sortir ou pas, et qui contrôle le fait qu'elles peuvent éclore ou pas. Donc lorsque nous voulons chercher refuge du mal que nous ne connaissons pas, eh bien le meilleur des noms que Dieu peut utiliser, le meilleur des mots que Allah peut utiliser, c'est Rabbul Falaq. Parce que toutes ces choses sont cachées et elles peuvent sortir ou pas. Alors je cherche refuge auprès de celui qui contrôle et qui maîtrise et qui est le Seigneur de toute chose qui peut éclore, de tout mal caché qui peut éclore à un moment ou à un autre. Ça, c'est le premier miracle que je voulais partager avec vous dans le nom de la sourate, sourate Al-Falaq. Le deuxième miracle qui est magnifique, c'est la progressivité dans la manière dont Allah nous parle des mots. Et en fait, Allah, ici, parle de certains mots, mais si on prend un peu de recul, on voit qu'il nous parle de catégories de mal qui peut nous toucher et que cette catégorie se rapproche de plus en plus de nous. Il dit d'abord « min sharri ma khalaq ». Donc la première catégorie, ce sont des choses qui ont été créées pour notre bien. Le soleil a été créé pour notre bien. La lune, la mer, le vent, tout ça, ça a été créé pour notre bien. Mais il peut y avoir du mal à l'intérieur. Donc la première étape, c'est protège-moi des choses qui sont là pour mon bien, mais qui peuvent avoir un petit pourcentage de mal. Deuxième étape, c'est le mal des personnes mal intentionnées qui agissent dans l'obscurité, qui agissent de manière invisible, mais qui ne me veulent pas forcément du mal à moi. Parce que quelqu'un qui va arrêter une voiture sur la route pour racketter les gens et leur prendre leur argent, il est tombé sur vous par hasard. Il ne vous vaut pas du mal à vous personnellement. Donc la deuxième étape, c'est du mal, mais qui n'est pas orienté vers moi personnellement, qui peut me toucher ou ne pas me toucher. Alors protège-moi de ce mal-là et fais que ça ne tombe pas sur moi. Fais qu'il ne me touche pas. Ensuite, une étape encore au-dessus, c'est une personne qui vous veut du mal, qui va commanditer du mal contre vous et ne pas vous le faire directement. Min sharri an-naffathati fil 'uqad. Ce sont des gens qui sont payés, qui sont embauchés pour vous faire du mal. Donc la personne vous veut du mal, mais ce n'est pas forcément elle. Elle fait juste son travail. Son travail pour lequel elle a été payée. Celle qui vous veut du mal, elle est derrière elle. Donc il n'y a pas de relation directe. Donc la troisième étape, ce sont des gens qui me veulent du mal personnellement, mais qui vont embaucher des gens pour me faire ce mal-là. Et quatrième et dernière étape, subhanallah, ce sont des gens qui me veulent du mal. Mais ce mal-là, il est bien ancré dans leur cœur et ils vont passer à l'attaque directement, à l'offensive directement vis-à-vis de moi. Min sharri hasadin idha hasad, il en a personnellement contre moi et il va personnellement essayer de me faire du mal, lui-même. Il va être à l'œuvre pour me toucher. Donc vous voyez, subhanallah, l'évolution entre c'est du bien. La création ne me veut pas du mal, elle me veut du bien, mais elle a un tout petit pourcentage du mal. Une autre catégorie, ils ne me veulent pas du mal personnellement, mais ils agissent de manière malveillante et leur mal peut me toucher d'une manière ou d'une autre par ricochet. Troisième catégorie, il me veut du mal, mais il me le fait indirectement. Quatrième catégorie, le mal est bien ancré, il me hait, il me veut du mal, il est envieux, il est jaloux et il va essayer de me toucher personnellement directement. Subhanallah. Donc vous voyez comment la cohérence de cette sourate, comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a construite, comment est-ce qu'il a choisi son nom d'une manière miraculeuse, comment est-ce qu'il a choisi les exemples d'une manière miraculeuse et comment est-ce qu'il nous parle, subhanallah, de manière miraculeuse.
Alors, allons vers Allah subhanahu wa ta'ala, je reviens à ce que je disais au début, en étant humble, en humilité, et en comprenant que sans lui, il peut nous arriver tout et n'importe quoi. Sans lui, notre vie peut être touchée. Sans lui, notre foi peut être touchée. Alors cherchons protection, prenons refuge, prenons place sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est le seul à pouvoir nous protéger. Avouons que nous sommes faibles, que nous avons besoin de lui, que sans lui nous ne sommes rien. Et disons de manière sincère, haut et forte, قُلْ أَعَوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ يَا رَبِّ, j'avoue que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin de ta protection, que des choses peuvent me toucher dans cette vie. Et tu es le seul à pouvoir m'en guérir, tu es le seul à pouvoir m'en protéger, tu es le seul à pouvoir les éloigner de moi. Alors ya Rabbi, protège-moi de tout mal, protège-moi de tout mal qui pourrait m'arriver. On s'arrête là pour Sourate Al-Falaq et je vous dis à la semaine prochaine avec Sourate An-Nas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Balliru anni wa law aya » « Transmettez de moi ne serait-ce que un verset ». Alors si le contenu de ce rappel vous a été utile, partagez-le aux autres. Partagez-le numériquement pour qu'il puisse être bénéfique à un grand nombre, mais partagez-le aussi humainement avec vos proches, avec vos familles, avec vos enfants, dans vos assises, pour que, inshallah, Dieu puisse faire de nous des gens qui transmettent sa parole à l'humanité tout entière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.